ça pue, faut changer leur ligne. Les Tower Hog Flight Airborne, on peut jouer pas loin. Trop près à décoller. Et good copy. On va laisser 2 secondes entre nous. Et run up. Et pour leader 3, 2, 1, PC, max. Super One éclaire Triship F-16 en décollage de Serlik, direction Waypoint 1, ravitaillement sur 30 X-ray. Phoenix suivi. Frelon suivi. Vous pouvez y aller à un niveau PC pour me rejoindre, de toute façon on va ravitailler. Je pensais que c'était que les strikes qui faisaient ravito pendant qu'on allait directement au seed pour gagner du temps, c'était pas l'idée. Peut-être, je vais demander. Super 1-1 pour chef de mission, Pluton. J'ai pas compris. Ouais, je t'appelais, je voulais te poser une question. On ravitaille ou tu veux qu'on aille directement sur objectif nous? J'en sais rien, vous êtes à combien de fuel? Oh, on est à 80%, mais moi je pensais ravitailler, vous rejoindre vous et y aller tous ensemble, non? Je pense qu'on a le temps de ravitailler. Oui, je pense aussi, d'accord. Merci. Bon bah voilà, tu as ta réponse. Oui, ça va être rapide. Okay. Ça va être rapide, il a dit. Ça dépendra de toi pour le coup. Et Wizard Phoenix One, on va aller faire le plein aussi alors. En fait, c'est très bien d'essayer de dissiper. Flight Radio Check Silver 2. Oui, c'est vrai. Alors, partout présent sur la fréquence. Même pas, en plus, c'est que j'avais compris le briefing vraiment comme le strike patiente et on passe devant. Ah, non, mais c'est l'eau qui. Vont aller être directement au machin et attendre au loin ce qu'ils devraient faire. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est pas très long. Ils démarreront, c'est pas un souci. Ça va, ça vole bien, Chris, avec les deux bombes? Ouais, ça va. Ok, bon, tant que t'arrives à nous suivre, c'est bon. J'ai réfléchi, enfin, un moment, je me suis dit peut-être que tu devais en prendre 4, mais t'es beaucoup trop loin avec 4. Non, 2 c'est bien. 2 c'est bien, comme tu dis. Faudra pas les gâcher. Faudra bien calculer la vitesse du vent, trianguler la position des satellites.
Et la lumière en cruise. Et 24 000 pieds, on se stabilise. Très belle la formation là. Qui veut passer en premier? Allez, j'ai le mieux, c'est que je sois le dernier. Là. L'éventualité où je fais de la merde, je retarde pas le reste. Ah, je dégauchis. Ouais, non, y'a pas de raison, tu me tapes la main. Détends-toi, oh, pas de pression. J'ai le tanker, il nous cross le bord site actuellement et je commence à suivre. Allez, on passe en échelon gauche, tout le monde est sur échelon gauche. Vérifier radar éteint. Le 3, je bascule échelon gauche.
c'est vraiment magnifique, ces nuages quand même. Ouais, c'est très très beau. Attention, ralenti. Il est relativement lent, il est à 240 nœuds. On va vite arriver sur lui. Non, ça va, c'est contrôlé encore pour l'instant. Idle. Tu vois qu'il n'y avait aucune raison de douter de métal en rejoindre quand même. Ouais. Par contre, tu vas pouvoir douter de métal en ravitaillement avec un AOA de 15 et un vent de travers. C'est vrai qu'il y a un bon petit vent. Refueling en drift. Need for speed refueling. Ça peut pas cracher, si. Ah non, je me suis planté de hotkey en fait. Ah, tu m'as fait peur. Ready, recontact. Clear contact. Allez, c'est parti pour les deux. De contrail droite. Yes, visu. 14 visu, vraisemblablement. Et devant nous, ça passe devant nous aussi. Ouais, visu. Y'a du monde. Ouais, trappe ouverte. Contact. You're taking fuel. Un bon petit AOA de 9. Non, c'est pas évident du tout.
1, 1, in field, 1, 2, request rejoin. Je repasse sur la fréquence générale. Shell 1-1, proceed to pre-contact at 24,000, at 240. Ready pre-contact. Il le fait même pas son 240, il est même plus long. Ready pre-contact. Good copy, il me reste deux hélices. Pardon. Pardon, tu disais 3. Il fait même pas son 240, je l'ai à peine à 237 en me mettant à côté de lui. Oui, c'est ça, 237, La perche est comment? Parce que je suis bien, mais... Il te manque pas grand chose, t'es un poil trop bas. Là, t'es good. Contact. Ah là, t'es là dessus. Ah là, du coup, you're taking fuel. Et il te met du feu, là. Ah ouais. Ok, vraiment très 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 doucement, avec une vitesse de rapprochement de 1 ou 2 nœuds. Ça se couvre vraiment pas mal derrière lui là. Ça se couvre un peu, ouais. Prends ton temps, ils ont pas encore refuel les 14, t'as encore 5 minutes.
contact. You're taking fuel. Les 14 vous nous rejoignent. Ouais, deux, j'ai entendu. T'as fini? Bravo. Transfert complet. Ouais, bravo, félicitations. Bien joué. Merci. Allez, c'est parti, Weapon 2. On refait la formation initiale. Ok, le plan pour l'attaque, il va être un chouïa complexe. Ce que je veux, c'est que ta carte, tu passes au nord de la cible. Moi je vais passer au sud de la cible sur le SA-10, on rentre dans le cercle et on va taper en... Je pense que ça sera de l'OM, pas du pré-brief, j'ai pas encore décidé. Et le but ça va essayer de faire en sorte que ça tape en même temps. Compris. Alors le truc c'est que le but ça va pas être de tirer en même temps, ça va être que les missiles tapent en même temps. Et pour que les missiles tapent en même temps, normalement faudrait synchroniser au niveau de la page. Tu sais, sur la page weapon t'as un temps au but. Oui. Qui est au-dessus. C'est au-dessus. Ouais, le temps qui est au-dessus. De toute façon il y aura qu'un temps avant qu'on tire de toute manière. Oui, alors il y aura deux temps, mais il y aura un temps qui fera une minute et demie ou deux minutes et un temps qui fera 17 heures, enfin le temps, le vrai temps quoi, donc ce sera le temps d'une minute. Et 3, toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester plus ou moins entre le boule, c'est le centre du SA-10, et tu vas faire un peu de wild weasel, t'essaies de pas cramer ton fuel, voilà. Très conservateur. Et deux copies par an, tu veux monter? Ah, copies, on a tous en train de monter. Et pour Super One Fencing, et vous me dites votre fuel. Et de 11.5. Et 3.11.7. Et copie. Fencing 11.2 pour lead. Et Fencing.
n'oublie pas, une fois qu'on a tiré le missile, pas besoin de le supporter, mais besoin de rester dans la bulle et se faire loquer et tirer dessus par le SA-10 pour que les missiles touchent bien. Et contre elle. Copy trail. Et pour information, ta carte, on tapera le 10. Page weapon, on tape tous les deux le 10. Copy, je suis calé sur 10. Répète s'il te plaît. Copy, je suis présélectionné 10. Ok, je stabilise 28600. Ok. Et deux, je serai à 30 000. Bonne cop. Et deux contacts. Suicidés. Affirme, ouais, Félix nous en a parlé. 3, t'es retourné sur la bonne fréquence, général. Bien vu, effectivement, j'y suis pas, j'y vais de suite, je bascule sur la R2. Copie, et pour information, il y a les Félix qui vont passer au nord de la bulle. Donc tu... C'est les deux contacts 3-4 000 pieds derrière nous, donc tu feras attention à eux, si jamais tu te fais engager, tu retournes vers eux. Copie. Chris, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu vas rester comme je t'ai dit, mais tu vas me suivre une dizaine de nautiques à peu près pour faire peur aux deux contacts si jamais ils commencent à m'enjailler. Ouais, copie, je suis pas loin de toi. Allez, virage gauche pour moi. À droite, pardon. Donc, je bascule à gauche de suite ou vers le nord ou je te suis encore? Vers le nord, ouais. Copie, je passe en dessous et virage gauche. SPV. Affirme Dirt. Ouais, 96 nautiques pour moi. Et j'aurais resté un peu entre vous deux. Non, je préfère que tu viennes avec moi parce qu'il y a les Félix pour le protéger lui. Ouais, copie, je viens avec toi. Ouais, et passe en mode derrière et fais gaffe au contact devant. Ouais, je passe en mode derrière. Félix, One Super, 1-1 pour information. Comme je vous ai dit, on se sépare et je prends mon deuxième élément avec moi et le troisième est de votre côté, donc vous protégez le troisième et mon deuxième me protège moi. Et suivi, on a un bon visuel sur les trois éléments. Ouais, il me faut un peu peur les bandits là parce qu'ils vont m'intercepter, mais en espérant qu'ils se retournent avant que j'arrive. Ok, copie. Nous, on est blind pour l'instant au niveau datalink. Copie, j'ai deux bandits sud-ouest pardon, du waypoint de 26 000 pieds. Ok, c'est suivi. C'est super Félix, okay. Si tu veux que je t'envoie un Tomcat en escorte sur votre groupe du sud. Négatif, je pense qu'ils vont faire demi-tour bientôt. Félix suivi. Si jamais je me fais envoyer, voilà, il commence à faire demi-tour. Si jamais je me fais engager, de toute façon je te préviens et tu vas m'aider. Suivi, 3 Nice 23 RWR. Actuellement hot, je sais pas s'ils font demi-tour ou pas. Je crois qu'il vient vers nous. Non, négatif, hot sur nous. Nous on dégage et on vous laisse faire. Et copie, Félix, on vire à droite, on passe par le sud. Ok, passe bien au nord, ta carte, non, on passe bien au sud. J'écarte encore un petit peu plus vers le nord, pour rentrer dans la bulle tout de suite. Ça avait été pas trop mal. Je suis à 80 nautiques de la cible.
Et pour Félix, Tani, 3 contacts, 20 000 pieds, 60 nautiques, on engage. La copie, Félix, merci. On reste en arrière et reste en défense si jamais il y en a qui s'approche de moi, enfin de nous, Chris. Ouais, pas de soucis. X1 Fox Free to Ship, on crank par le nord. Il y a un contact qui vient vers nous. Ouais, affirme, je passe à rien. Dernière com. J'ai 1-2 qui intercepte un des bandits qui s'approche un peu trop de nous. Ok, suivi, il y a deux phénix sur les bandits normalement. J'ai que deux contacts, c'est bien ça? Ah, il part. C'est bon, il part. Négatif 3, ouais, il est en train de se casser. Bon, on n'a pas tiré. Continuez. Copie. Avec ton pod, regarde si jamais il est... Ouais, il splash. Ouais, il y en a un qui splash, mais je sais pas si c'est le nôtre. Félix, on a visuel sur un splash en l'air. Ok, écoute, copie. Je crois que c'était le nôtre, Chris. Oui, c'était le nôtre, c'est bon. Les Fox 3. Sont bien 3. Est-ce qu'il y en a deux qui partent vers les Tomcats, là? Ouais, c'est bon. T'as qu'à reprendre ton plan de vol, moi je reprends le mien, on rentre dans la bulle. Copie, on rentre dans la bulle. Et je repasse à une grande, comme ça j'ai essayé de voir. Et Frelon, on va orbiter 100 nautiques dans notre de l'usine. Je vais au niveau du HSD quand même les contacts, on sait jamais. Affirme, fais ta vie. Un peu vers la gauche, t'inquiète. Je vais tirer en PB et tu tireras en OM un peu. Non, mais non, je sais pas. Pour le moment, j'ai le BB, le CS, mais j'ai pas le 10. On s'en fout si tu. ORWR, tu veux dire? Oui, ORWR, donc j'ai rien de calé là. Et affirme, de toute façon, on va tirer avant même de le voir. Fox 3, dernier contact. On ira après. Allez, gate pour moi, gate Takarn. 3 gates. Et troisième splash, la voie est libre pour Félix. Félix, super, merci, effectivement, clean data link. On va tirer PB, on garde le deuxième missile en Félix, deux on si se reporte au nord pour escorter ton enfant. Et Félix, good copy, il est direction en plein sur le waypoint gate. Félix, soin de suivi. Soixante synotiques pour moi, toi. 61. Good copy, il va falloir que tu tires un peu après moi. Je suis pas encore le time to impact, ça arrive. Ok, je coupe gate.
Ok, je suis Buster. Vérifie que t'as bien le spi sur le bon machin, sur le bon circuit. C'est correct. Toujours pas de tempo impact pour moi. 53 nautiques, rien en plus. Hopflight, c'est un peu 2-6. Hopflight, Phoenix One, Lima Charlie. Félix Manoc, Flight Lima Charlie, on vient de finir le review, on couche vers notre target. Félix. J'ai mon time to impact. De 20. Ok, le mien tape à 16, 12, 35. Good copy, je tire et tu tires 15 secondes après moi. Quand t'es prêt? Prêt. C'est parti pour faire le Wild Weasel. C'est une belle fusée. Et Félix, on a eu des rapports 45 nautiques dans notre position pour 300 et quelques. Rien en data link, uniquement Wax. Ouais, négatif, c'était là. Voilà. Super 1-2, Magnum SA10. Ok, maintenant on fonce tous les trois dessus pour essayer de faire un peu de wild. Et on passe en EOM au cas où. On a 1 minute 20 pour l'activer. Et les missiles sont en l'air, on passe en wild weasel pour l'activer. Copie, Félix, on va pousser un tout petit peu vers le SA10 pour tenter le wild weasel aussi. Écoute, copie, on a 60 secondes. Et mode. Il y a des gros départs là. Et je vois des très très gros départs depuis l'aéroport vers le ciel. 1-2, je suis loqué. 1-2, départ missile. Copie, défend. Et Félix, on est Spike SA10, on va essayer de regarder le lock. Départ missile pour toi. Et confirmé, les départs que j'ai vus, c'était pas du SA10, c'était peut-être du Scud, hein. Faire attention. Suivi. 3 départs, défend. 4 secondes avant impact. Et Félix, départ SA10, on part défensif, on s'en va vers le nord. Et suivi normalement des missiles impactés. Ça dit c'est un. Pas pour nous. Départ 10. One three, je commit, je suis plus loqué. Attention, deux départs. Ton missile a dû taper, j'imagine. Et il a tapé. Good copy, tire le deuxième en EOM sur le 10. Les gars, moi j'ai encore deux visu de radar sur TGP. Il y a un truc qui a pété ou pas? Super 1-2, Magnum SA10.
négatif. Est-ce que tu vois un SA-15 ou un truc comme ça? Non, deux grosses antennes, une très grosse avec le radar qui tourne autour et une plus petite. Attention, départ. Départ missile. Je m'approche, je vais faire tirer. Attention, trois départs. Copie mon missile en l'air, 60 secondes. Il est toujours là et il m'aime beaucoup. Ok, bah continue, nous on va gate 3 et vas-y. 2, pardon. 2 et c'est le radar au milieu des lanceurs. Ouais. Super 1-1, je sais pas pourquoi les missiles n'ont pas marché, on continue de l'engager. Félix. Je vais essayer de taper pour que je tape tout en même temps. Ouais, fais comme tu peux, moi je vais faire un gun run, de toute façon on a pas, putain. C'est pas monsieur, c'est pour ma gueule. Match Spike 10. Mais je suis hot 2 minutes. Toujours en cours. Si vous pouviez l'occuper un petit peu, ça nous arrangerait. Et on reste hot dessus, ouais. Ouais, départ. Ouais, départ pour moi, le 3. Mais j'ai plus de contre-mesure, donc je vais pas recourir. Je fais la passe. Je fonce.
Et deux e-notes. C'est bon, détruit. Ouais, tape tout ça. Ouais, visu. Ouais, ça dit down. Ouais, good job, super. C'est la CBU qui l'a eu ? Non, c'est moi au gun, mais faut le finir là. Super 1-1 is Arizona, on finit de traiter le site, mais vous êtes clair pour avancer. Et Frelon 1-1 et 1-2, on dirige vers l'objectif. Off-flight 92 nautiques du point target. Et Félix, on rush sur Weapon 2. Et sur un topical. Oh putain, j'ai eu un gros bug. J'espère que t'en as lancé qu'une, hein. Ouais, sauf que quand j'étais en AG, j'ai tiré et ça m'a tiré un Fox 3. Bravo ça. Heureusement qu'il y avait personne devant toi. Oh le gros bug. T'étais pas en missile overhead par hasard? Ah non. Ok, 3, attention parce que là où tu vas, il y a d'autres menaces, ça. Remonte comme il faut. Par contre, je suis lancé un peu tard, alors je sais pas comment ça va se passer. Bah, j'espère que t'en as lancé qu'une pour pouvoir en balancer une deuxième, parce que si tu rates. Ouais, j'ai une deuxième. Ouais, ça tape un peu loin, ouais. Allez, t'es reparti pour faire un tour. Ouais, je repars. Ah, ça détruit des trucs quand même. Ouais, il y a du dégât. La grande tour radar, là, elle est partie. Au nord, ouais, mais il nous manque le plus important, les silencieurs. SA-8 détecté. SA-8 confirmé, détecté au visuel. Nord de Adalep. Visuel 8, ça sera aux A10. Ici, flight confirmé SA-8. Affirmatif 8 sur Alep. Super 1-2, Miguel. Oh, reçu SA-8 sur Alep. Je fais la BDA. Vous deux remontez haut, maintenant si vous avez fini. Et vous me faites un wet fuel. Super 1, 8.8, pardon. 3, 6, 1. Surtout qu'ils n'ont pas été interceptés, les armes, ils sont allés au bout quoi.
intercepter, mais si on a bien fait notre boulot, ils ont touché à quelques dizaines de secondes d'intervalle, il peut pas les intercepter de deux directions différentes en si peu de temps. Pour le retour, c'est 12X-ray. 12X-ray. Package de Félix repéré MUD 15 sur Alep. Ligne reçue. Parce que 12, je l'ai pas dans la direction où vous êtes. Frelon 1, package, j'ai visuel sur un appareil militaire bloqué sur la piste. Ouais, 21, il serait. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal noté ou si c'est lui, mais voilà. Wizard 1-1, pour Frelon 1-1, autorisation de destruction si appareil militaire. Ouais, Frelon 1-1, bien pris. Et de contrer le 32 pieds. Maintenant, on a visuel sur l'escorte, on la shoot aussi. Fréquence est refusée sur 1840. Fréquence de l'ILS, hein, pas de l'aéroport. Ouais. Il refuse, c'est-à-dire ouais, ça clignote. Il me fait pas un hunter. Oui, mais c'est normal, là, on est pas du tout dans l'axe. Ah non, il te laisse pas la rentrée, si moi il m'a laissé rentrer, moi. J'arrive. À ce rythme-là, on a encore un playtime de 1h30. Sans médaille, ici Hogwan à tout le package, répétez tous les messages, vous avez parlé tous en même temps, illisible. Hog, Frelon 1-1, j'ai 4 hélicoptères au départ de l'aéroport et un convoi de 4 véhicules. Package pour Félix 1, au rythme où on est, là on a encore environ 1h30 de playtime. 1h30 de playtime reçu ici, Gwan, on est là dans environ 10 minutes. Ok, à l'atterrissage, on se réarme GBU et Maverick, comme vous voulez. Package, ici Hog Flight, ouais, les 3-10 sont échelonnés, Hog 1, 15 000, 16 000. Donc, et est reçu. Prenez 4 munitions au choix. Félix. Voilà. Okay.
Et front d'un package, attention, seuil de piste 09, unité blindée, type SA-19. Donc, du coup, là, pour les GBU, comment on va être les 4 hélicoptères qui viennent de décoller. Non, tu pourras pas changer le code moteur allumé, ouais. Et front 1-1, on traite le SA-19. En vrai, c'est mieux de prendre des Mavericks, mais si jamais bon, vous savez pas trop les utiliser, vous prenez des GBU et puis on tirera pas en même temps. Ah, pour Félix, on après, va pas pouvoir traiter les hélicos tant que les menaces qu'on portait sont pas enlevées. Bon, bah écoute. Moi je vais en prendre deux, et puis ta garde, si jamais t'en prends, on partagera le code, et puis on fera attention à pas les aider en même temps. Ok. Et 35 minutes pour moi, je descends. Ouais, pareil. Il y a un parking en seuil de piste 05, je pense qu'on réarmera là-bas. Copy. Moi j'étais en visuel, je viens vers toi. Un visuel sur toi. Je pense qu'on va poser avec ce bon vieux Takan. À l'ancienne comme dans la Navy. Par contre, ce spécial 21 X-ray, j'ai pas de données de. Pas de données de distance. C'est parce que bien t'es toujours en transmit receive RR à tous les coups. Ah, non, j'étais même pas en transmit receive du tout. Voilà. Ah, ça, pour trouver le tanker tout à l'heure, ça devait être drôle. Alors, Juan, ici Ogwan, est-ce que tu peux m'indiquer là où sont ces fameux 4 véhicules et est-ce que tu as repéré un genre de convoi? Frelon One affirmatif, je viens de pivoter sur SA-19 au seuil de piste 09 et ils sont à un chouïa nord-ouest du seuil de piste 09, ils partaient à l'ouest. Et bien reçu, capture pour les Hog. Visuel sur les gros lacs. Positif pour Front 1-1 sur la balasse type SA-19. Et on fait long final, hein, on n'a pas le temps de faire des overheads et des machins. Copier, je suis derrière toi. Good cop 3, tu te mets derrière nous. 3 copies, je vous ai au data, je suis a priori au-dessus de vous, donc j'essaie de faire gaffe de pas vous tomber dessus. Ouais, confirme, tant que tu nous as au data link, c'est bon. Je suis aligné, pas encore plus sur le seuil de piste. Ok, on va push. Ouais, super, on va pushing in Cerec. Frelon 2, picking sur véhicule antiaérien sur le centre du picking. Je connaissais pas ça. Altitude. 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 Altitude.
1-1, request landing. 1, 30 sorties. Ça va la distance derrière? Ouais, ça va, impeccable. 3 pareil, ça va? Impeccable. Et 2, 30 sorties. Je me pose sur la gauche au cas où t'es prêt. Ouais, copie, je pose sur la droite. Ok, je suis au sol, vitesse contrôlée, je sens. De toucher. Ah, visuel. C'est le moment d'aller pisser si vous avez besoin. Ah, c'est bon. Bah, moi je vais y aller. Confirme.
Il faut retirer les pylônes. Je les retire, je valide vide et je recharge qu'après. C'est ça. D'accord, ça le fait bugger sinon. Request rearming. Ouais, c'est sa merde. Copy. Parce que quand je fais le reload sur le Tomcat ou le Hornet, je le vide jamais. Pause pipi accompli. Bien joué. Merci. Presque plus dur que le tanker. Surtout quand t'as du vent de travers dans les chiottes. Ah, n'oublie pas de prendre les JVN. En train de refuel. Ah ouais, ça refuel. Et refuel terminé. Copy, prêt à rouler. Et deux. Il finit de réarmer. Et 3 prêts à rouler. Ouais, NVJ installé. C'est installé. Et un good copy. Et une Sirlik
été ready. Les trois ready. Et round up. Et pour leader, PC dans 3, 2, 1, PC, break. Avec la PC c'est mieux. De PC. Une 3 PC. Et les dames, on est un peu lourd. Et de airborne. Et direction Epone 2 immédiatement, je coupe PC 350. 3 airborne, train rentré. Ouais, Select Tower, Super One Flight Airborne, Pushing Silver 2. Package ici Hogue One. Comment j'écoute? Convoi éliminé, je répète, convoi destroy. Ouais, good job. Package ici, Hog Flight, notre mission convoi est accomplie. Est-ce qu'on doit effectuer une frappe au niveau de l'usine ou on reste en stand-by? Wizard, Hog 1-1 de Wizard 1-1, allez sur l'usine voir s'il n'y a pas des caisses et pas des camions. Hog 1 reçu. Faites attention. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est bon ça. Est-ce que vous êtes prêt à copier les à copier coordonnées pour un waypoint 2-3 sur l'aéroport d'Alep? Et prêt. Le 3 prêt. Je m'écarte. On est sur du nord 36. Et ensuite on est sur on de l'est, 037-13-610 pour une élévation de 1254, 1-2-5-4. Et 2 c'est copié. 3 c'est copié. Allez, rejoignez la formation. X1, Fox 2, Chopper. Et Splash 1.
ça, on va faire un effort, on va monter Hawk 24000 PC. Hawk 2 pour une GBU-54 Splash 2. Stop, PC 24000. Je vous regroupe, je me suis vraiment beaucoup écarté pendant la saisie GPS en fait. Oxo, release. Commence à raconter sa vie, Chris. Et Wizard Super One disponible dans 5 minutes pour frappe sur zone si besoin. Voilà, on a chopé les cargos, on les a traités, on va RTB et Winchester. Trois fois ici. 10-5 leader. 10-3-2. Et 3 nos copies. Je vais demander le fuel. 397. Copie 97. Je ralentis, je te laisse manger. FX1, guns, guns, guns sur hélico. Hog 2 pour une passe canon sur des caisses dans l'usine. Infat. Sens sud-nord. C'est deux visuels. Ah, confirme. Le trois visuels. Ouais, recherchez autour de l'aéroport s'il n'y a pas des cibles d'opportunité. Groupe de véhicules à l'est.
à l'est. Près des bunkers. Piste. Ah, je regarde, je regarde. Ah, je vois des bunkers, je vois deux sortes. Je vois deux petits véhicules devant les bunkers, c'est ça? C'est ça. Ouais, je sais pas ce que c'est. On va voir quand on va s'approcher. Je vois une fumée à côté du terminal. Deux véhicules aussi au niveau du terminal. Le truc que je vois à côté d'un grand hangar à côté du terminal, c'est des. C'est de la. Merde. Package Phoenix One, les 4 hélicos ont été retrouvés et traités sur un aéroport. Ok, on commence à circuler par la droite, sens anti-horaire, et on prend... Ici, Ogwan, découverte d'un nouveau plus, blindés lourds et du long, on est prêt à taper. 32 copies, j'avais la générale en même temps. Et 2 juste 123 000. Ouais, copie. Ouais, c'est normal quand il y a le général, je peux te parler en même temps, tu n'écoutes plus le général. Tu prends plus 1000 sur ton altitude et tu te fais un cerclage à 20 nautiques sans sentier horaire. Plus 1000, copie. Allez, on se rapproche pas à moins de 15 nautiques, entre 15 et 20 si possible, parce qu'on sait pas ce qu'il y a. Blank RWR. Et on continue la recherche. One rifle. Attention, vous approchez pas trop, 3. Wizard, Superman. Superman, Wizard One. Wizard, visuel sur un chargement de caisse au niveau d'un des terminaux, un des bras de l'aéroport d'Alep. Est-ce que c'est ennemi? Ah, si c'est des caisses, il faut les taper. Le SA-10, il en est où? Le SA-10, il reste 3 lanceurs. On est 3, donc il y en a un qui va s'occuper du SA-10 et le reste peuvent taper les caisses, si tu veux. Il faut taper les caisses. Eh, good copy, est-ce qu'on prend? Les frelons étant à sec, vous prenez. Good copy. Allez, deux, tu vas finir ton bordel là sur le SA-10. Allez, j'y vais. Et 3, est-ce que t'as visuel sur les caisses de l'aéroport? Alors c'est le terminal qui se trouve un peu vers le nord, il y a 4 grands bras et à côté d'un des visuel, bras. Visuel, je continue à monter tranquille. 3 négatifs, je les ai pas vus encore. J'ai eu plusieurs petits véhicules, mais je n'arrive pas à identifier. Good copy, elle se trouve à l'est, sud-est de l'aéroport. Enfin, oui, nord-est de l'aéroport. Ok, bah je prends et
Si jamais je rate, ce sera toi. Ok, j'ai les 4 bras de... les 4 passerelles passagers et un groupe de 4 véhicules à côté. Playtime 25 minutes. Ah, j'avais pas le groupe de véhicules, moi j'avais des caisses et un véhicule à côté, je crois. D'accord, là pour le moment j'arrive pas à identifier, il faudrait que je corrige l'éclairage. Ok, bah fais t'as tout ton temps. De toute façon, si tu trouves d'autres véhicules que les caisses, c'est génial. Et de j'ai retrouvé les 3 lanceurs. J'annonce les Bayway dans sur notre chaîne là. Ouais, copie. Package ici, Hawk Flight, deuxième coup, voie destruit. Hog One de Wizard One, si toutes les caisses et les convois ont été détruits, vous êtes clair pour RTV. Bien reçu, on a encore un doute au niveau des caisses, on va faire un dernier check et on avise. Pour moi, c'est des... ça ressemble à des caisses, hein, ce que je vois. Si on voit la même chose, c'était clair pour toi. Rentre ton code laser parce que, en fait, faut le rentrer, c'est pas défaut sur le TGP. Oui, dans la page laser, oui, je l'ai rentré. J'aborde la passe, c'est pas parti. Je voulais être sûr de ce que j'identifiais. Mais de. Oui. Okay, le 3, c'est bon, c'est identifié, c'est clairement de la caisse avec plein de mecs morts autour. Ouais, copie, j'ai vu qu'ils avaient tapé, mais les caisses m'ont l'air plutôt intactes, donc ça serait bien de balancer une GPU dessus. Que je m'éloigne et je refais une passe dessus maintenant que c'est clair. Octo, in hot, copie, pour je te les faire. Caisses. Et deux, target, c'est top. Ouais, copie, fini.
Wizard, Super One. Super One, Wizard. Ouais, j'ai visuel sur une autre rangée de caisses qui n'ont pas encore été traitées pour le moment avec deux personnels à côté, mais ça se trouve pile à côté de tous les avions rangés. Qu'est-ce que je fais? Ça reste des caisses, on sait pas ce que c'est, vous y allez. Copie, possible, grande probabilité d'endommager un AN-22 juste à côté. Tant pis, on peut pas laisser ça comme ça, on détruit. Copie, 1-1, je prends. 3, une note. Package Phoenix One, on se retrouve avec un playtime de 5 minutes. 3 P, ouais. Phoenix One, super, on est sur zone, on est armé RR, même si on a du matériel air sol, on pourra Judson et protéger s'il faut. Et package ici, Hawk Flight, on a terminé le tour en RTB, on est en montée 18 000 pieds sur un cap 300 pour RTB. Félix, vous pouvez y aller si vous voulez. Et copie, bon, bah, on peut rester encore un petit peu, mais ouais, on a plus beaucoup de playtime là, après il faut aller faire le plein. Copie, comme vous voulez. Et troisième target, je regarde s'il y a d'autres trucs. Ouais, copie, bien joué. 3, j'ai pas d'impact. Ah, impact, bien joué. Allez, one in out. Un leader de 3, tu l'as vu impacter là-bas? Non, non, je l'ai pas du tout vu impacter. D'accord. Je sais pas, j'ai le bon code, j'ai tout qui est bon, mais ça, j'ai pas vu d'impact. J'arrive sur le 3, j'arrive à vous aider. J'ai encore une GBLUS. Et leader de 2, instruction pour taper. Négatif pas pour le moment, j'essaie de faire une passe et je te parle. Coupé. Check l'aéroport, regarde s'il y a des trucs autour, c'est tout. Coupé. C'est un 1-1, rifle 1. Et package Phoenix One, on arrive Joker Fuel, on retourne au tanker. Copy Phoenix, merci de la couverture. Ici Hawk One, merci public. Mais de rien, ma caille en sucre. J'adore tous ces mots. Encore des caisses entre les comment ça s'appelle les avions qui sont parqués au nord.
Copie pour deux, je vais regarder si y a d'autres trucs. Et de 3, j'ai revisuel sur la cible que j'avais attaquée, elle n'a pas été touchée, donc je ne sais pas où est passé la bombe. Je refais un run. Peut-être qu'elles sont déjà détruites, hein, t'acharnes pas dessus, cherche autre chose. Ouais, elles ont l'air bien intactes pour des caisses pétées. Ouais, c'est des 16. Bah attends, je vais regarder celles que moi je viens de taper, que j'ai vu taper, si elles sont toujours intactes, c'est que... bon. Ça vient de décoller du sud de votre position. Ouais, visuel, on va dégager. Allez, on dégage. Gate, gate, et on se casse. Léo, que vous êtes à combien Ah non, vous êtes juste à côté. Ouais. On va un peu devoir vous sauver, je crois. Félix 2, continue vers le tanker. Moi, il me reste un peu de pétrole. Je vais essayer de vous donner un peu de temps. Ouais, copie. On va essayer de protéger les... Ouais. Wizard de mutation, Jettison, armement air sol et de passer RR. Jettison autorisé RR. C'est parti. Allez, Jettison et tout ça. Gardez les... non. Les bidons. Deux contacts en montée rapide. Un au sol, un déjà à 20 000 pieds. J'engage. 3 m'a. Bon, j'ai un truc qui passe pas avec le laser et les caisses, ça tape. Correction, 3 contacts. J'ai pas entendu. Et les caisses que je visais, je sais pas, ça passe pas, ça tape à côté. J'ai vu la bombe péter, mais hors champ. Ok, c'est pas grave. Mettez-vous à côté des A10, les A10 qui sont au nord là, au 300, et vous les protégez. Et Félix, nous on fait la protection rapprochée des 10. Si vous avez besoin, moi je suis un peu près de vous. Bien suivi. Et vous deux escorter. Ou si tu veux, Chris, toi prends ma place. Je peux t'aider ou non? Non, mais t'étais déjà à côté de moi. En fait, je suis loin, moi. Donc, escorter, et puis moi, je vais essayer d'aider les F-14. D'accord. Tenez-vous prêt au cas où. Félix 1-1, Fox 3, One Ship 60 nautiques, je crank vers l'est pour vous donner du temps, je vais les draguer. Une copie, je vous ai pas au data link, mais j'imagine à peu près où vous êtes, je peux venir vous aider si jamais. Avec les A10, 2 revient avec moi.
Copie. Trois copies, je suis au-dessus de leur position. What fuel 2? J'arrive vers toi. Copy. Ok, Félix 1-1, splash 1, il me reste deux bandits, j'ai fait demi-tour, je suis défensif, je les drague un peu vers l'est. Good copy, Félix, on est deux à pouvoir t'aider s'il faut. Ok, pour l'instant, pas d'urgence, continuez à vous éloigner le plus possible. Ouais, copie, on a un élément qui escorte les Alice et on est deux à venir t'aider. D'ailleurs, Oguan, vous avez super en 3 avec vous. Bien vu. Intéressé par mes fesses. Bah, si jamais il veut les additions, il va nous passer dessus. Kres, tu fais droite 90 degrés et t'essaies de le contourner. Est-ce que je fais demi-tour et je rebalance deux Fox 3? Oh, négatif, pas besoin. Allez, fonce sur nous. Ouais, 90 droite maintenant. Va vers le Bulls. Comme ça, tu peux le prendre par derrière si jamais. Ok, super, j'ai tourné à gauche, je vais essayer de me remettre dans sa route pour essayer de l'intéresser. Si vous pouvez vous mettre en trail derrière moi et puis le dégager dès qu'il me prendra en chasse. Ouais, good copy, j'ai deux qui va faire en flanking direction Bulls et moi je suis avec toi, je te suis. Elle vient sur ma gueule. Non, encore ça. Ah, il est à 10, c'est le moment de mettre la post convulsion. Ouais, j'arrive. Là, il faut l'intercepter. Ok, je l'ai, possibilité de tir. Ah, copie, t'es vers engagement. Moi, j'ai plus que deux Fox à 1. Je suis à 30. 1-1 Fox 3. Je le cranque à gauche. Te fonce pas dessus, fonce pas dessus. Ah, mais bon, si je me fais. Oui, madame, tire, 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 tire alors, tire. Je sais pas ce que t'as essayé de faire là. Ah, mais là, ils font sur ma gueule là. Mais tire! Tu crois que je fais quoi tout à l'heure? En fait, c'est quoi? Je veux tirer, mais c'est toi qui dis n'importe quoi. C'est pas one, two, three, Fox 3. Allez, Félix 1, je presse. X1, good luck.
Ok, eyeballs flash, eyeballs flash. Good job les super. Eh ouais. Reste encore un MiG-25 dans nos 9 heures là. Ouais, un autre derrière, moi je pars full est. Allez, de nouveau, vers le Bulls, Craze. Allez, copie Felix One, full west. Ouais, je crois qu'il est bien. Celui qui est clean engagera. Ah, vas-y, intercepte-le directement. Ok, moi je vais full est, il a l'air de bien m'aimer, donc j'envoie mon deuxième intercepté directement. Gate, intercepte. Ouais, j'ai réussi. Copie Felix One, je presse avec ton numéro 2. Trois, ils sont loin de l'aéroport, les 10. Trois, on est à 117 nautiques au Tacan. Copy. Attends, c'est quoi la touche DNVJ déjà? Right, shift, c'est plus H. C'est H, il me semble. Shift, droite, de H et H. Merci. C'est mon temps que je sais pas utiliser. FX1 pressing hard lock clean. Ouais, j'ai aussi. Et départ, défensif. Et FX1, je presse. Ouais, super 2, je presse aussi, je suis derrière toi. Wizard, ici Hawk Flight, on quitte la fréquence Stratnautique des Tierlink. Merci. Oh oui, donc d'accord, t'es pas du tout à 110 nautiques. Bah. Putain, Felix One 20 nautiques. Attaque en cassette sur la base. On est bien en 21 X. Putain, il est rapide ce con, hein. J'essaie de l'amener vers vous. Elle est très rapide. Ça va de la batte. 9 nautiques, Fox One. Il se plâche ou quoi? Fox One, 5 nautiques. Tu l'as pas créé depuis tout à l'heure? Sur un tour Fox 2. Texaco 1-1, Boozy 1-2, request rejoin. Oh, ok, désolé, Bob Tacan, effectivement, après cette posée, il a fallu que je le coupe, que je le rallume, et là j'ai la bonne distance. Allez, splash. Allez, go, splash. Felix 1-1, Winchester, je retourne au tanker. Ouais, copie, on retourne également à Inserlik, les A10 se sont posés. Merci, Félix. Et welcome. T'as pris ton temps sur celui-là un peu, non? Ah non, pas du tout, j'étais en Fox 2 et j'ai plus les Fox 2. Bah bon? Quand est-ce que t'as tiré tes Fox 3? Juste après 3. Ah ouais, mais faut les annoncer, j'ai entendu qu'un seul, je pensais que t'en avais encore. Fallait me le dire, sinon c'est toi qui aurais fait la pas pour moi. Alors c'est pas grave, on s'en est sorti. Allez, je remonte, je te rejoins. Allez, 21 X-ray. Ouais, what fuel? 3.7. Ouais, je suis hors. 4.2. Bon, 3, je te laisse te poser avec les A10, enfin après eux. T'es près de l'aéroport, tu peux passer sur fréquence aéroport. Oui, j'ai fait le switch. Non, c'est vrai, visiblement, quand tu te poses, ça le perturbe le tacon. Non, bon, ça va, rien changé. Ah, ça, il était à 117, j'ai juste coupé, rallumé, et il m'a remis la bonne distance.
Tower 10 miles inbound from Red Break, runway 23. Test leader. Comment? Ta vitesse. 300. Je suis 5 minutes derrière toi. Ouais, je commence la descente.
radio et on se pique. Intellect Tower, Hogwarts 1-1, on base, gear down, come down, runway 20. Absolument pas la piste. Partout au final. Final derrière les 10. Ah, il se pose côté 05, donc on fait pareil. Continue. Ouais, copie, on se met en longue finale derrière sur le 05. Hop, toi encore sur la piste, on n'a pas dégagé. Rogue One, runway vacated. Super 1-3, go on. En fait, j'avais de la marche pour y aller. Et super, on est tout en longue finale. Hop, tout le piste dégagé. Tu prends à gauche ou à droite? Non, mais arrête avec ces conneries, tu poses pas avec moi, il est de nuit. Non, prends ton temps. Je vais pas venir avec toi, je te demande juste si à gauche ou à droite. Au plein milieu. Ouais, visu sur ton phare. La 3, je me suis remis en vente arrière. En fait, les pistes occupées, ils étaient en train de la dégager. J'avais largement la place de poser.
Super, hein, 3 en angle final. Tower Bulldog Fighter parking en coupe, merci. Ouais, bien joué tout le monde, je vois 3 qui entrent à l'intérieur. Ah, je suis paumé dans le noir. Mais on suit les pistes, mais de l'autre côté. Ouais. Bah de l'autre côté, là où on a décollé. J'en peux plus, c'est là-bas. Il y a une place là, je la prends.